Toxico. Ce fou de toxique a un petit truc à vous dire. Halt. Ok. C'est le magie Zapouni, faut se frapper. Sinapong, c'est l'heure de se frapper. Fais pas de springboard, on va t'attraper. J'ai pédigré un chien, m'a traité de bulldog. Dans mes cheveux y'a des poux, mais pas de coup de poing. Agili m'a trompé avec ce fou dans le swoggle. Depuis j'ai des envies d'être gogol. J'ai inventé une fiche, je l'ai renommé en swoggle, il va crever. Dans mes matchs, il va y avoir du sang ma gueule. J'ai une batte de baseball entre mes mains, ma gueule. Je vais sortir un spear, tu vas pas le voir passer. J'suis posé sur la troisième corde, j'observe mon adversaire avec un regard vif, il m'a mal regardé. Je lui fais un cause party, faut que je le punisse, je suis enragé contre cette chute. Je vais lui mettre un kick à la 7 wallets. Woman way, j'ai perdu dans cette forêt. C'est pas un petit pousset. Il aspirait les arbres pour trouver un chien. On est maintenant parti, ça va fighter. Pas besoin d'être un street fighter pour se fighter. Je suis prêt pour le match proposé par les abonnés. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien, on est à Orlando et on se retrouve aujourd'hui pour un petit match qui va opposer John Cena, Rey Mysterio et The Undertaker. Et on accueille tout de suite le champ venu tout droit de West Norbury, Massachusetts. Et lui, il est pas là pour rigoler, les amis. Prenez-le en photo, prenez-le en vidéo. On a un arena Armageddon 2003, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est pas grave, never give up, never quit. John Cena, the champ, is here. Alors, il y a des petites rumeurs qui circulent sur cet homme ces derniers temps. Est-ce que John Cena quitterait la WWE? Vous vous rendez pas compte, mais si ce mec la quitte, ça va faire un grand vide. Franchement, si John Cena parvenait à quitter la WWE, vous pouvez l'aimer ou le détester. C'est juste un des plus grands champions de toute l'histoire de la WWE. Et j'ai bien dit toute l'histoire. Parce que c'est un mec, entre le moment où il est arrivé et maintenant, bah déjà souvenez-vous son premier match face à Kurt Angle, il avait déjà montré son potentiel. Et même si maintenant il est peut-être un peu moins bon, mais il est toujours aussi charismatique, aussi bon avec sa façon de parler. Mais bon, même si je préfère le John Cena à l'ancienne personnellement. Mais bon, on va pas se plaindre. D'ailleurs, pour le dernier jeu de catch qui sortiront, si un jour il sort un dernier jeu de catch, ce serait bien qu'ils nous mettent tous les catcheurs, Jamie Noble, etc., etc. Tout depuis le début, toutes les arènes, ça ce serait le plus grand jeu de catch. Franchement, je vous le dis, franchement. Et on accueille son deuxième adversaire, le petit Luchador, le venu tout droit. Et bah de, je sais plus trop où. Ah si, du Mexique, hein. Voilà, c'est pas mal. Attention, tiens, feu d'artifice. Et le deuxième... feu d'artifice. Rey Mysterio, le petit Luchador du pays. Qui lui vient tout droit le Mexico City, Mexico. Ah bah non, pardon. Mexico City, Mexico, c'est Alberto Dalleo. Lui, je sais plus exactement d'où il vient. Pourtant, je savais à un moment donné. San Diego, California. Voilà, San Diego. Il vient de San Diego, Rey Mysterio. Autant pour moi. John Cena, Rey Mysterio, Armageddon 2003. Ça va être un biggest match. Ça va être une tuerie. Enfin, du moins, je l'espère. Je vais pas trop m'avancer en avance, hein, parce que je sais pas s'il va vraiment être une tuerie, le match. On va bien voir ça ensemble. De toute façon, les amis, les deux hommes sont dans les lignes. On n'attend plus que le dernier des derniers. Et lui... et l'homme le plus flippant de tous. Préparez-vous à flipper. Mesdames et messieurs, il vient pas pour manger dans ton frigo gratuitement. Il vient pas non plus pour lire des bouquins et faire des petites blagues de carambar. Mesdames et messieurs, cet homme vient pour une seule raison. Pour mettre KO tous les hommes qui sont présents dans ce ring. Oh my god, on peut flipper en avance. The Undertaker, l'homme qui a connu toutes les stipulations à la WWE. Tout comme il a connu les stipulations à la WWF. Et oui les gars, à l'ancienne il y avait des stipulations bien différentes que celles de maintenant. À l'ancienne era, la nouvelle era comme on dit maintenant, l'ancienne era était vraiment 100 fois mieux au niveau des matchs. Par exemple les matchs avec des... comment on appelle ça? Les matchs avec des... merde, des punaises et tout, maintenant c'est limite des pots de yaourt et des... voilà, des guitares, voilà, bon bah voilà. Enfin quoi que les guitares c'est encore dangereux, hein, mais il n'y a plus vraiment de guitare. Plus pots de yaourt, gâteaux qui jettent dans la gueule, etc. C'est fini l'ancienne époque, hein. Mais c'est vrai qu'en l'ancienne époque il y avait moins d'enfants qui regardaient le catch maintenant. Le catch est mondialement connu. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes comme beaucoup d'enfants qui regardent. Et par rapport aux enfants, il se doit d'être un minimum respectif déjà par rapport aux parents et faire attention.
au contenu qui propose tout simplement. Je suis encore un peu malade, donc ma voix. Vous avez reçu un message de Scandou. Bah Scandou, je lirai ton message juste après mon toxico. C'est un peu dur de jouer avec vous en ce moment, et même moi pour pouvoir faire des vidéos. Voilà quoi, je fais que les dimanches matin, reste de la semaine c'est chaud parce que je taffe et tout, je vois des amis, tout ça. Donc voilà quoi. L'Undertaker West in Peace. Nanana. J'ai niqué son intro avec lui. Nanana. On dirait moi c'est nanana. On va accueillir des fleurs. C'est parti. Pourquoi John Cena? Parce qu'il peut faire. Voilà, ça c'est fait. Mon but c'est d'essayer de faire deux attitudes adjustment en même temps, même si je pense que ça pourrait être bien compliqué. Unwa Kanwana. Même je maintiens ce que je dis, ça va être très compliqué. Allez, attention, on y va. C'est parti, on le chope. Et putain, laissez-moi porter des prises. S'il vous plaît, les cocos. Je me sens comme sur un cocotier. Est-ce que c'est extrême ce que j'ai mis là ou pas? Eh, hey, arrêtez de vous battre. Voilà, tiens. Lutez pas, c'est les coups qui pleuvent directement sur la tête de Rey Mysterio. Attention, j'esquive. Attention, go là-bas. Reviens. Et tiens, magnifique. Magnifique. Facebuster, pardon. Boum. Ouais, par contre, tu vas rester par terre, sale chien. Merci. Le chien est par terre. Je mange des curunaiseries. Je sais pas c'est quoi. Demandez pas. Attention, Unwa Kanwana, encore une fois, de la part de Rere le Lucha dans la WWE. Allez, attention. Projection dans le coin. On va chercher Taker. Projection dans rien du tout. Taker is here. Taker is here. Attention, le compte. C'est parti. Taker, on le chope. C'est contré encore une fois par le Deadman. Ouais, d'accord. Très bien. Attention. Voilà. Attention, recasse-toi et coude la corde à linge. Voilà, j'ai eu le dernier mot. Attention, flat over DDT. Parfaitement exécuté par le Lucha. Alors, par contre, on va se calmer, les gars. Là. Mais arrêtez de vous mettre sur moi à deux, la bande de bâtards. Mais je sais pas, battez-vous, je sais pas. Voilà, moi je viens. Je porte. Ok, j'ai rien compris. Attention, belly to belly suplex. Oh putain, enculé, il m'a baisé. Voilà, se faire baiser par un petit Lucha Lord, comment ça se passe? Bah, comme ça en fait. Hein, y a pas vraiment d'explication. Va là-bas. Voilà. Va là-bas, retourne dans l'autre coin, d'accord, très bien, voilà, c'est super. C'est magnifique tout ça. Ok, d'accord, super. Merci pour ton aide, le Deadman. C'est vrai que tu m'auras bien aidé dans la vie. Sans toi, je serais toujours dans la merde. Attention, c'est parti. Half Nelson, Nekbeko. Voilà, premier. Attention, boum. Ok, super. Et boum, voilà, dans ta face. Ah oui, c'est vrai que c'est un extreme mode, je suis complètement con, moi. J'ai complètement zappé. Tiens, reste par terre, là. C'est moi et je prends les décisions là. Eh, hey, reste en chien. Reste en chien. Oh putain, l'enfoiré, il est pas resté en chien. Loin de lui, cette idée de rester en chien. Ouais, par contre, moi je me casse. Hein. Non. Aïe. L'enculé. Les gars, s'il vous plaît. Allez-y, battez-vous. Moi je vais là-bas. Voilà, hein. Je vous laisse faire des petits coups, des petites prises. Faites des coups entre vous. Voilà. Et ne me rejoignez pas, bande de Google. Voilà, dropkick, c'est bien, Rey Mysterio. Il a compris, Rey. T'as tout compris à la live, Ré. Bon, je vais ramener ça déjà dans le ring. Ça, c'est fait. Je vais ramener quoi d'autre? Je vais ramener. Ah oh, bah, bien joué, Ré, c'était beau, ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Une table, pour commencer. Parce que c'est là où ça va vraiment faire mal. Attention, on y va. On va la placer là-bas. C'est parti, on va prendre un autre objet. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ça, une échelle, bien évidemment. Histoire de faire la paire, t'as vu. C'est intéressant ça, les échelles. C'est très très intéressant, on ramène ça là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre comme objet qui pourrait être pas mal? Bah ça aussi. Hop, on va sortir tous les objets, on va pas se prendre la tête. Voilà, encore une fois. Mais la pénou, vous revenez dans le ring quand vous voulez, hein. Moi, je ne vois aucun inconvénient. Je sors tous les objets juste et j'arrive. Voilà, là c'est un peu le bordel, je sais. Mais bon, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire. C'est sympa de foutre le sbel aussi comme ça. Et le dernier objet, voilà. Allez, c'est bon, on y va. Voilà. Ça, on va directement la mettre dans le coin. Table. Assez important. Table qu'on va placer ici. Très bien. Le bordel, je sais bien. Et bon, c'est pas grave. Et voilà. Et l'enflammation la plus totale. Et j'ai perdu mon finiture, c'est très très bien. Oh putain, Abdouag, l'enculé. J'ai pas prévu ça, fils de chien. Oh, pardon, fils de chien. J'irai plus que t'es un chien. Il a été vexé. Oh putain, attention.
Oh, doucement là. Eh, les gars là. C'est bon, moi je reviens plus, on m'agresse. C'est bon, vous êtes travail d'équipe, dropkick, what? Le tintin, il y a un souci. La descente du genou du Deadman. Très bien. D'accord, oui, j'ai bien aimé. Putain, moi j'ai enflammé, j'ai perdu une prise de finition, bordel, avec cette connerie. Oh oui, Last Wild ou Choke Slam. Ah oui, le Choke Slam. Sur la table, frère. Voilà. Et nous, on arrive par derrière, là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Attention, c'est parti. Du. Voilà. The champ is here. Allez, attention. On relève l'Undertaker. Il l'a niqué. Hein. Attention, projection de coin, c'est contré. Attention, c'est parti, la tentative de tomber. C'est parti, le petit paquet. Ou simplement. Dommage. Et le standing moonsault. Rey Mysterio. Vas-y, c'est parti, Rey Mysterio, directement sur la chaise, mon gars. Oh, mon gars. Attention. Inverted. Oh, mon dieu. Oh, putain, l'escalier. Il se l'est bouffé. Il se l'est véritablement bouffé. Attention. On relève le petit luchador. Attention, c'est parti. Half Nelson. Neckbreaker. Attention, c'est parti. Attitude adjustment. Oh oui. Oh oui, allez, c'est parti, on y va. Le tombé. C'est fini. Et 1, et 2, et 3. Quoi? Juste 2? Non, il se fout de ma gueule, là, c'est pas possible. Putain, mais juste 2, l'enculé. Voilà, attention, on y va. C'est parti, boum, dans ta face. Je suis le champ et je vais gagner. Allez, lève-toi, Réré. Allez, Réré, canostic. Putain de merde, l'enculé. Voilà, c'est parti, on le chope. Oh putain, spin and kick, il a été rapido. Ah, il a été rapido, le petit lucha de la WWE. Attention, il chope ma jambe. Et le foot, du, parfaitement exécuté. Oh putain, Réré, attention, Réré. Attention, Réré, moi je vous laisse retrouver mes lapinous. Attention, c'est parti. Rey Mysterio, Sunset Flip. Bam. Non, je suis là. Je suis toujours là. C'est parti. On va choper je sais pas qui. Ah oui, Réré. Putain. Non, attention, projection dans les cordes. Et attention, belly to belly, overhead suplex. Parfaitement exécuté. Moi je vais chercher ça. Allez-y, et boum. Et boum. Oh putain de merde, il y a toujours un mec pour se mettre contre sur mes plans quoi. Voilà, ça c'est fait. Et boum, Taker. Et toi, Réré, et boum. Et boum. Why the fuck, man? Les gars, mais putain, mais c'est pas possible. Et tiens, voilà. Oh putain, merde, KO total hein. Attention, il me relève. Oh non, pas ça. Oui, attention, c'est parti. Non. DDT. Parfaitement exécuté. Attention, les trois hommes sont complètement KO. Il lui met un coup de poing. Attention, deuxième coup de poing. Attention, Taker qui reprend le dessus. Projection. Il revient. Oh, le coup de bélier là, parfaitement exécuté. Et c'est parti. Cena, il est debout. Cena, c'est parti encore une fois. Attitude adjustment. Le tombé. Regardez-moi ça. Pour la deuxième fois sur le Deadman. Le tombé meilleur Rey Mysterio debout. Rey Mysterio est debout. Et putain, simplement, hein, même pas rien du tout en fait. Attention, c'est contré. Aïe, ma jambe là. La respect s'il te plaît. Putain, d'accord. Plus de respect. Wesh. Attention, c'est parti. Putain de merde, mon arme doigt s'il vous plaît. Non, John Cena s'il te plaît. Cena s'il te plaît. Lève-toi, Cena. Lève-toi. Putain de merde, je l'ai perdu. Voilà. Putain, attention, il me saoule, lui. En plus, il a trois finitures. Rey Mysterio est là, suplex sur le luchador. Allez, c'est à moi de gérer maintenant. C'est à moi de gérer le match. À faire comme on peut. Attention, chop, c'est contré. Russian Leg Sweep. T'as quel match entre Rey Mysterio, Taker et John Cena. Projection violemment dans le coin. Attention, il revient. Oh mon dieu. Attention, et tiens, merde, c'est... genre, il a contré ça. C'est parti, coup de poing. Attention, on va le choper. On le ramène au centre du ring. Belly to belly suplex. Ah oui. Ah oui, et boum. Allez, c'est parti, on revient. Et tiens. Non. Attention, on le chope. On va l'emmener. Putain de Réré, t'as tout niqué là. T'as niqué tous nos plans. Attention, le choke slam. Ah oui. C'est parti. Le Chokeslam. Putain, merde. Putain, non.
Ouais, putain, je voulais enchaîner en plus avec mon coup spécial. J'aurais fait un enchaînement trop beau, tu imagines. Tac, show extreme, direct, you can see me. Ça aurait été trop beau, ça. Attention, le tombé, c'est parti, on y va. Et un, et deux, et simplement deux. Rey Mysterio était là pour sauver la mise. Rey Mysterio, il est chaud comme la braise. Rey Mysterio. Attention, drop kick dans le dos de John Cena. Qu'est-ce qu'il y a? Quel match? Quel match, les gars, mais vous ne mettez pas à deux contre moi. Mes bandes de fifous de la night. Attention, il y retourne. Il y retourne. Sunset flip. Powerbomb. Et je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, voilà. Voilà, attention, on y va. Half Nelson. Nebueko. Voilà. Voilà l'ouverture. Cena qui va tenter de monter directement sur cette troisième corde. Et non. Et non, il est stoppé. L'Undertaker qui va le suivre. Les deux hommes sont à l'extérieur du ring. Les deux hommes sont dans deux salles de drap à l'extérieur du ring. Les deux hommes qui s'observent à l'extérieur du ring. C'est contré. Cena, il est là. Cena, il est là. Cena, il est là. C'est parti, on prend l'enchaîne. Maintenant, on va lui mettre une magnifique souplex à l'extérieur du ring. Tiens, attention. Et you can see me punch parfaitement exécuté. Allons, retourne dans le ring maintenant. Ouais, je suis le champ. Qui osa revenir dans le ring face à un certain John Cena? Qui osa remettre les pieds face à cet homme? Bon, ok, vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. Allez, ramène-le dans le ring. Merci bien. Et boum! Et boum! Non mais mec, attention encore une fois, Raph Nelson. Pour la 9e fois, Neckbreaker. Faudrait que je sorte un You Can See Me, ce serait bien. Attention, c'est parti. DDT sur la table. Quel match, j'en peux plus les gars. J'en peux plus, va-t-il y avoir une fin entre ces trois hommes? Toi, tu vas rester par terre à manger du camembert. Merde, ils sont bas les couilles. T'as moi et mon camembert, ça fait... Non, doucement, doucement, se calme. Hein. Non, attention, il me prend. Projection directement dans le coin. Attention, Réré. Attention, Réré, qui me retourne. Tu vas faire Rey Mysterio. Rey Mysterio, c'est parti, il y va. Il y va, coup de poing dans la face de John Cena. Quel match. Quel match. Et c'est parti, attention, troisième corde. Non, les deux hommes, ils y vont. Non, Cena, attention. Souplex à l'extérieur du ring. On peut dire que j'ai fini dans deux salles de draps. Hein. Voilà, complètement chaotique. Ce match va bientôt se terminer. Et moi, je me retrouve dans la merde. Voilà. Taker, qu'est-ce que tu fous, ma gueule? Taker qui va peut-être nous rejoindre. Et oui, c'est parti. C'est parti. On est tous les trois dans le ring. C'est super. Moi, je suis dans les vapes. Attention, le Taker qui Rey Mysterio qui le ramène dans le ring. Et tiens, voilà, Taker. Vas-y, Rey Mysterio, je te laisse retourner dans le ring tranquillement. Calmement. Pépèrement. Chope plus, t'enfoiré. Voilà, inverted. Souplex. Voilà, ça c'était mon petit kiff. Allez, maintenant on va gentiment aller chercher cet objet. Et on va tout simplement lui infliger. Tiens, attention, merde, putain, l'enculé. Attention, redonne-moi ça. Et tiens, mon dieu. Oh putain, il se l'est bouffé. Oh putain, il se l'est bouffé directement. Oh, c'était beau ça. Ah, ça, franchement, les gars, ça c'était vraiment un geste magnifique. Allez, je vous attends. On va prendre ça. C'est parti, mes lapinous. Vous revenez comme vous voulez. Allez, fais-lui ton petit truc. Voilà, et là, viens là te bouffer. Ça, baby. Voilà, je suis tout manœuvré de te voir, baby. Je me sens tout constipé d'un coup, baby. Retourne-toi, baby. Et prends-toi ça. Attention, mon dieu, le dos. Oh, putain. Allez, c'est parti. Viendra-t-il me voir? C'est parti, on lui enlève ça. Voilà. Là, les gars, je vous dis, quand ça va partir. Attention, relève-toi. Projection dans le coin. L'Undertaker. Projection dans le coin. Non mais mec, mais putain, mais j'ai rien compris là. Pourquoi il veut pas y aller? Dropkick dans le dos. Putain, merde, putain, je me suis bouffé. Et où est Nzigawi? Oh, il a sorti quoi? L'enculé. Tchou. Putain. La table a été en feu, ma gueule, à la base, hein. Putain, mais c'est la galère, ce match, mais... Frère, j'avais trois finishers, j'avais mis tous les deux dans le coin, l'autre, il a bugué, je sais pas, il a fait quoi. Putain, j'aurais fait double titre, c'était terminé, là. Ah, j'aurais réussi à le faire, ça aurait été terminé. Putain, j'étais à ça de le faire. Il a fallu qu'il me fasse un dropkick et le tomber, l'autre. Putain. Non, mais là, c'est le seum, la famille. Oh, laisse tomber. Le match aurait été perfect si j'avais réussi à faire ça.
Attends, franchement, il a bien enchaîné à la fin. Nzigawi tombé direct sur Taker. Et puis moi, voilà. 1, 2, là, je suis venu en courant. Voilà, bah, c'était trop tard. Donc voilà, les amis, j'espère que ce match vous aura bien plu. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Peace. Here is your winner, Rey Mysterio. What an incredible match. That one could have gone either way. Nobody has anything to be ashamed of in this one.